Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission « Toute la Bible en parle ». Cette émission a pour but de démystifier le message de la Bible. Comme son nom l'indique, toute la Bible parle du vécu quotidien et de la personne vivante et authentique du Seigneur Jésus-Christ, surtout dans la vie de gens comme vous et moi. Cela fait toute une différence lorsque quelqu'un a confié sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Après 2000 ans, le Seigneur Jésus-Christ est toujours vivant. Il intercède pour chacun de nous et nous pouvons faire appel à son aide. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à l'émission Toute la Bible en parle des invités comme Yolande Saint-Louis, mon épouse, qui viendra nous parler de la Société biblique canadienne. Vous savez, cette documentation, le Nouveau Testament français courant que nous vous offrons, eh bien, c'est la Société biblique canadienne qui nous l'offre chaque semaine. Et il n'y a rien à payer, c'est gratuit, c'est un cadeau. Il y a aussi les livres de Gaston Racine, les leçons de Marie et le Christ inconnu. Nous remercions M. Racine de ses dons, de ses cadeaux qu'il nous offre par le biais de ses ouvrages. Et ce sont parmi ses meilleurs. Et plusieurs milliers de personnes les ont lus et les redemandent constamment. Lynn Gass, qui sera à l'émission, bien, vous avez les numéros de téléphone, je devrais vous les mentionner en effet, puis mais, peut-être même les lire assez rapidement. Le Rive-Sud et Montréal, c'est le 514-467-9966. Grand Bay, Cowansville, 514-375-4575. Winnipeg, 204-257-8370. Et je vous donnerai au cours de l'émission notre adresse électronique et aussi Internet. Alors, à l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous rendre auprès de Yolande Saint-Louis. L'émission a été enregistrée à l'extérieur, à Verchères, au bord du majestueux fleuve Saint-Laurent. Et là, dans un foyer, nous l'avons interviewée. Nous l'écoutons maintenant. Allô, Yolande. Bonjour. Je pense que je peux dire allô, chérie. Ah oui. Par exception, oui. Avec les autres invités. Et moi de même. Yolande, mon épouse. Bon, bien, on va tout de suite commencer, puisque l'introduction est déjà faite il y a un instant en studio. À quand remonte le travail de la Société biblique canadienne? Le travail a débuté vraiment en 1804, mais c'est 100 ans après ça, soit en 1904, que la Société biblique a été fondée comme Société biblique nationale. Elle est représentée à travers le Canada par 18 centres régionaux qui sont dirigés par des secrétaires régionaux, puis aussi dans le Nord-Ouest canadien. Peut-être que je devrais commencer par l'histoire des tout débuts. Là. Il y a une belle histoire avec la Société biblique canadienne. Oui. Prends ton temps pour nous en parler. Oui, ça a débuté avec une petite fille de 9 ans. Qui s'appelait, c'était la famille Jones, elle s'appelait Mary, qui, ils allaient, c'est-à-dire que ces gens-là n'avaient pas de Bible. La seule façon qu'ils pouvaient entendre la parole de Dieu, c'était quand ils allaient à l'église le dimanche, et le pasteur lisait les Écritures saintes, mais chaque personne n'avait pas sa Bible dans ce temps-là. Alors, tout ce qu'elle faisait, Mary, c'est que tous les samedis, elle allait visiter une des amies de la famille, c'est une dame Evans. Veux-tu nous dire où ça se passait? C'était au pays de Galles. Donc, Mary était une galloise. Elle allait chez une des amies de la famille. Puis là, elle pouvait lire la Bible. Mais c'était dans un grand volume, là, tu sais, un volume qu'une petite fille de 9 ans ne peut vraiment pas transporter là, pour aller à l'école, là, pour lire continuellement, même d'une pièce à l'autre. C'était encombrant. Mais c'était la seule façon, la seule solution. Alors, elle a appris à lire et tout ça. Après quelques années, elle a commencé à travailler là, très jeune. À l'âge de 15 ans, ça faisait déjà 5 ans, elle en avait 9 ans, ça veut dire peut-être 6 ans, là, mm-hmm. qu'elle travaillait. Elle vendait toutes sortes de choses. Elle tricotait des pantoufles, puis elle vendait ça. Elle faisait un petit jardin, puis elle vendait les fruits, les récoltes. En tout cas, elle a ramassé ses sous. Puis à un moment donné, elle est allée voir un monsieur qui s'appelait M. Charles, qui vivait 30 kilomètres plus loin que chez elle. Elle est allée là à pied.
avec l'argent qu'elle avait économisé pendant ces 6 ans-là pour s'acheter une Bible. Mm. Puis quand elle est arrivée là, la seule Bible qu'il avait en gaulois, c'était, elle était déjà vendue, cette Bible-là. Elle avait été promise, pas vendue, là, mais elle était promise à quelqu'un d'autre. Mais ce qui est arrivé, c'est que le monsieur pouvait lire l'anglais, l'autre monsieur, puis elle ne pouvait pas lire l'anglais. Alors, il a décidé de lui vendre la Bible. Et puis, bon, pour faire une histoire courte, là, suite à ça, lui, le monsieur qui a vendu la Bible, il est allé à Londres, en Angleterre, rencontrer une société qui imprimait des livres religieux. Ah. Et puis, avec plusieurs personnes, ils ont décidé de fonder une société biblique et diffuser des Bibles, des imprimés avec, par milliers, comme ça coûterait moins cher. Est-ce qu'ils leur ont donné un nom à cette société au début? Ou? La Société biblique britannique et étrangère. Ah oui? Parce que c'était une société biblique en Angleterre. En anglais, ça se trouve à être... Foreign British... British Bible Society, ah, quelque oui. chose du genre. Oui, j'ai déjà entendu ça, c'est intéressant. Oui. Puis ça, c'était le début des sociétés. C'était le début, oui, sociétés. À cause d'une petite fille de 9 ans qui mm-hmm. voulait là, ardemment avoir la Bible en sa possession pour elle. Que fait en réalité, au juste, là, la Société biblique canadienne? Bien, chaque année, là, elle diffuse environ 12 millions d'exemplaires des Écritures saintes dans environ 100 langues différentes ici au Canada. Elle encourage aussi la lecture et l'étude des Écritures saintes. Puis elle a 5 programmes de diffusion biblique gratuits qui sont subventionnés par des dons de différentes personnes. Alors, elle offre le Nouveau Testament et Psaume aux nouvelles recrues des forces armées. C'est souvent, le Nouveau Testament, là, c'est souvent la seule source d'encouragement qu'ils mmh. peuvent avoir dans des moments de conflit ou même des moments, des temps de paix. Alors, ils sont obligés, là, ça fait partie de leur équipement, d'apporter leur Nouveau Testament quand ils partent à mission, là. Ah oui. Les soldats. Elle offre aussi au niveau citoyen canadien et canadienne. Mm-hmm. Les nouveaux citoyens? Oui, les oui. nouveaux citoyens. Il y a plusieurs personnes dans le monde qui choisissent le Canada pour établir leur domicile. Alors, lors des séances d'assermentation, la Société biblique leur offre un Nouveau Testament à chacune des personnes qui sont assermentées. Je me souviens, en 1962, oui. j'étais interviewé à l'émission de Francis Jarro à ah CKVL. Oui. Ah oui. Puis il avait mentionné la Société biblique canadienne qui lui avait offert justement une Bible. Un Nouveau Testament, oui. un exemplaire du Nouveau Testament. Mm-hmm. Aussi, pour les personnes handicapées visuelles, ils peuvent avoir accès à la Bible au complet. Ces personnes ont des besoins spécifiques et en dépit de leur handicap, ils peuvent lire, on dit lire entre guillemets, parce qu'ils lisent en braille hein, mm-hmm. avec leurs doigts. Alors, ils peuvent avoir l'Ancien Testament qui est publié en braille seulement pour les handicapés visuels. Puis, pour le Nouveau Testament, ils ont le choix soit d'avoir un album de cassettes, c'est 18 mm-hmm. cassettes enregistrées en français courant, ou d'avoir le Nouveau Testament en braille. Ça, c'est une fois, une occasion dans une vie. Mmh. Toi, tu proposerais plutôt en braille, je crois, oui, parce tu m'as que, déjà dit. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a un handicapé visuel comme ça qui s'était fait voler son album de cassettes dans le métro. C'est sûr que n'importe qui peut écouter des cassettes, mais pas n'importe qui c'est peut ça. Lire en braille. C'est là l'avantage. Hein? C'est ça, oui. Mmh. Alors, mais il y a des handicapés qui ne peuvent pas lire le braille. Mmh. Alors, ils peuvent avoir les cassettes. Il faut qu'ils soient enregistrés à l'Institut national canadien pour les aveugles pour avoir ça gratuitement. L'INCA. À l'INCA. L'INCA, OK. On appelle mm-hmm. ça l'INCA. Aussi, il y a le ministère pour les prisonniers et prisonnières dans les établissements carcérales. Ça, c'est un ministère aussi de la Société biblique canadienne. À travers le Canada, on offre l'Évangile de Jean. Mais ça, c'est par l'entremise des aumôniers qui sont dans les prisons. Mm-hmm. Et suite à la lecture de l'Évangile de Jean, ils peuvent remplir un formulaire qu'ils nous font parvenir. Et avec ça, ils peuvent avoir la Bible au complet, gratuitement.
Et aussi, il y a les étudiants en théologie, les étudiants et les étudiantes en théologie qui peuvent recevoir gratuitement les Écritures saintes en hébreu et en grec. Il faut qu'ils soient étudiants en théologie. À temps plein. Peu importe à quel endroit, oui. Pourvu qu'ils sont à temps plein. Les écoles bibliques pourraient à ce moment-là Les séminaires bibliques, les collèges bibliques, tout ça. C'est intéressant, tout ça. Oui, oui, ils peuvent recevoir les Écritures saintes en hébreu pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau Testament. Ça, c'est à travers le Canada. Puis dans le monde entier, il y a d'autres sociétés bibliques. Combien y a-t-il de sociétés bibliques dans le monde? Il y a 111 sociétés bibliques nationales qui sont membres de l'Alliance biblique universelle, qui, elle, l'Alliance biblique, gère le budget mondial pour, en ce qui concerne la traduction, la publication et la diffusion des Écritures saintes. Ça veut dire plusieurs pays, en fait. Oui, les 111 sociétés bibliques servent 200 pays à travers le monde. Puis l'Alliance biblique a été formée en 1946. Si on veut prendre un exemple, on va prendre 1992. Combien y a-t-il eu de diffusion par la société biblique dans le monde ou au Canada? Oui, c'est à travers le monde. Il y a eu 600 millions d'exemplaires, de textes bibliques qui ont été diffusés seulement en 1992. Ces chiffres comprennent, par exemple, 16,8 millions de Bibles, 13,7 millions de Nouveaux Testaments, puis des centaines de millions de portions bibliques et de sélections de textes choisis de la Bible. Quand on parle de portions bibliques, c'est un livre de la Bible, soit un évangile ou un épître qui sont... C'est dans plusieurs langues, tout ça. Combien de langues la Bible a-t-elle été traduite ou de ses parties? Oui, jusqu'à présent, là, 2009 langues ou dialectes dans le monde, les Écritures saintes ont été traduites. Au cours de 1992, il y a eu 30 nouvelles traductions bibliques qui ont été complétées. Puis il y a 500 traductions qui sont en cours pour traduire des textes bibliques. Souvent, dans ces nouvelles traductions-là qui sont en cours, souvent c'est juste un livre de la Bible qui est traduit là, pour la première fois. Est-ce qu'on a encore besoin de traduire la Bible? Plus que jamais. Oui? Ah oui, plus que jamais. La Bible a toujours besoin d'être traduite parce qu'il y a Il y a toujours des langues. Il y a des centaines de langues qui n'ont même pas une sélection de la parole de Dieu, des nombreuses langues. Puis ça, la Bible, c'est la base de l'équipement utilisé par l'Église chrétienne pour annoncer le message rédempteur de Dieu accompli dans la personne de son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Puis bien des gens désirent ardemment étudier la parole de Dieu, mais n'ont pas de Bible à eux qui leur appartiennent. Souvent, ils sont obligés de lire la Bible dans une langue autre que leur langue maternelle, une langue étrangère à la leur. Alors, les responsables des sociétés bibliques croient que chaque personne qui est capable de lire devrait disposer de ce livre-là. Et afin que publié dans la langue qu'ils parlent tous les jours, pour pouvoir vraiment comprendre le message que Dieu veut leur communiquer. La société biblique, en plus de diffuser la parole de Dieu, comme ça, c'est énorme ce qu'elle fait. Tantôt, tu parlais de millions, puis de plusieurs centaines de pays, puis aussi des langues, ça continue constamment. Est-ce que la société biblique canadienne, où la société biblique dans le monde est aussi une maison de rédaction? Oui, la société biblique canadienne. Ou d'édition. Oui, la société biblique canadienne, elle édite. C'est une maison d'édition, oui. Elle publie des centaines de milliers d'exemplaires des Écritures saintes chaque année, des Bibles, des Nouveaux Testaments, des portions bibliques, soit un livre quelconque, puis aussi des sélections de textes choisis. Des millions, oui.
Ça, c'est beau tout ça. Puis les gens, nos amis qui viennent de t'entendre, se disent, la parole de Dieu contient un message aussi envers ceux qui sont misérables, les pauvres, les nécessiteux. Est-ce que la société biblique fait quelque chose envers les gens qui sont dans le besoin, des besoins matériels, des besoins physiques? C'est-à-dire que la société biblique, les sociétés bibliques partout dans le monde, là, c'est, les œuvres humanitaires, on peut dire, sont nécessaires dans le monde. Mm-hmm. C'est primordial, c'est nécessaire. C'est évident, on doit aider les gens qui sont dans le besoin ou qui passent par des situations, des épreuves douloureuses. Ça, c'est pour apaiser leur misère, là, pour soulager leur misère, c'est nécessaire. Mais la société biblique ou les sociétés bibliques à travers le monde peuvent contribuer à procurer une meilleure qualité de vie à long terme. Après que les gens ont reçu de l'aide humanitaire, la société biblique vient pour subvenir à leurs besoins spirituels de ces gens-là qui sont souvent découragés. Après qu'ils ont réalisé qu'ils avaient perdu des biens précieux, ils sont souvent découragés. Alors, la parole de Dieu peut les aider à voir au-delà des circonstances qu'ils vivent. Elle s'efforce donc d'apporter les Écritures saintes aux êtres humains qui ont des grands besoins spirituels puis qui désirent ardemment aussi avoir une Bible en leur possession. Mm-hmm. Et s'ils en avaient une, ils l'ont perdue souvent. Oui. Si c'était un feu ou quoi que ce soit, un gros tremblement de terre, des tragédies qui arrivent, s'ils avaient une Bible, ils n'en ont plus, ils en ont besoin d'une encore. Alors la société biblique est là pour les aider. Et puis c'est une lueur d'espoir à travers la crise qu'ils traversent. D'où l'importance de lire la Bible. Pourquoi lire la Bible? Pourquoi est-ce si important dans ta propre vie aussi? Je sais que c'est important dans ma vie également. Bien, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de lire la Bible parce qu'ils ont vécu une expérience ou religieuse. Une forme de religion. Quelconque. Oui. Mais une telle expérience peut nous rendre conscients de l'existence de Dieu, mais elle ne peut nous instruire sur sa nature, sa volonté, puis son plan de salut. Alors, c'est pourquoi on a besoin de lire la parole de Dieu. C'est là où on apprend à connaître Dieu. Puis, en 3 minutes, Yolande, si on avait un message à trouver dans la Bible, ça serait quoi? Quel est le message qu'on retrouve dans la parole de Dieu, dans la Bible? Le message des Écritures saintes là, souligne la nécessité d'un changement profond dans la vie de chaque personne. Une transformation de l'attitude humaine, la compréhension et début de la personne. Ce changement radical est effectué par la puissance de la parole de Dieu et par la manifestation de l'Esprit-Saint en chacun de nous. Puis on peut avoir ça juste en lisant la parole de Dieu. Il y a quelques versets, est-ce que je peux mentionner? Oui, certainement, tu as une couple versets? De minutes, oui. Si tu veux lire Oui, je vais versets. Le lire dans la version en français courant. Mm-hmm. C'est dans l'Épître aux Romains, le chapitre 3, les versets 23, à partir du verset 23. « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Dieu l'a offert en sacrifice afin que, par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur des hommes qui croient en lui. » Dieu a voulu montrer ainsi comment il était juste autrefois. Il avait patienté et laissé impunis les enfants des hommes, les péchés des hommes. Mais dans le temps présent, il montre comment il rend les hommes justes à ses yeux, car il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. C'est très beau, Yolande, ce verset-là. Ouais. Et si tu avais en 30 secondes à nous dire, quelle est la plus grande bénédiction pour toi de te trouver dans une organisation telle que la Société biblique? Bien, pour moi, je me trouve à travailler pour la cause biblique. C'est très important pour moi parce que je me dis, si les gens découvraient ou redécouvraient la parole de Dieu dans leur vie, ils vivraient plus harmonieusement avec Dieu, puis en paix avec lui, puis ils seraient beaucoup plus heureux. Amen. Bien, ma chère Yolande, merci beaucoup. On ne se quitte pas, nous. Hein? Des fois, je dis aux gens, nous nous quittons. Nous, on reste ensemble. Hein? J'espère encore pour très longtemps, jusqu'au temps où le Seigneur vient nous chercher. C'est ça. Tous les deux ensemble. Oui. Merci beaucoup. Merci bien.
Bon, ben c'était Yolande Saint-Louis, mon épouse, et puis c'est toujours agréable de parler de la Société biblique canadienne. Je vais vous confier un petit secret, moi j'en entends parler tous les jours, et je me fatigue jamais. Et puis j'arrive ici à l'émission Toute la Bible en parle, et puis je vous le montre. Et puis je vous dis, vous pouvez en commander, c'est gratuit, c'est un cadeau. Donc vous voyez, c'est réel, tout ça c'est vrai, c'est du vrai. Et nous sommes contents de vous l'offrir. Et toute l'équipe ici avec moi sont heureux de pouvoir participer à ce don que nous vous faisons. Il y a les livres de Gaston Racine qu'il ne faut pas oublier de demander aussi. Nous remercions M. Racine pour sa générosité. Et les numéros de téléphone, oui, ils sont là. Je vous donne, si vous avez un ordinateur, Internet, c'est http://www.génération.net. Une autre barre oblique, un tilde, bobine, une barre oblique, évangile, une barre oblique, tbp.htm. Savez-vous, des fois, je me dis que lorsque les gens entendent toute cette adresse, ils se disent, « Bien, je vais l'avoir, Internet, je vais savoir ce que c'est. » Eh bien, venez nous visiter, ça nous ferait plaisir. Et maintenant, elle chante, Lynn Gass, nous sommes heureux de l'accueillir à nouveau. « Ranime-nous, Seigneur. » Écoutons Lynn Gass chanter maintenant. Nos cœurs hautains et divisés, ranime-nous, Seigneur. Reconnaissons notre besoin d'amour, justice et pureté, ranime-nous, Seigneur. Ranime-nous, Seigneur. Remplis-nous, ô Dieu, maintenant de ta puissance et ta sainteté. Ranime-nous, Seigneur. Comme ton peuple que nous puissions être. Obéissant selon ton cœur, ranime-nous, Seigneur. Je t'en supplie, ô Dieu, brise-nous, transforme-nous. Afin de tourner nos cœurs vers toi, ranime-nous, Seigneur, ranime-nous, Seigneur.
Nous espérons que l'émission d'aujourd'hui vous a plu, cher ami. Et j'aurais un petit service à vous demander. Si vous aimez l'émission et si elle vous fait du bien, vous aimeriez que nous continuions encore longtemps. Ce qui encouragerait beaucoup chaque personne dans notre équipe ici, c'est qu'on sache que vous l'appréciez. Appelez-nous pour nous le dire. Et une autre chose que j'aimerais vous demander, appelez votre poste communautaire pour leur donner votre appréciation. Il n'y a rien de plus appréciable pour nous, en même temps, de savoir que d'autres aiment l'émission et encouragent les amis autour à la regarder. On peut retrouver tous ces trésors dans la Bible, mais aussi dans des livres écrits par des chrétiens comme Gaston Racine, le Nouveau Testament de la Société biblique dont on a entendu si bien parler aujourd'hui par notre invitée Yolande Saint-Louis, Lynn Gass qui a chanté de cette belle voix. J'aurais voulu l'interviewer un de ces jours. Nous allons lui demander si elle peut venir, puis on va lui en savoir un peu plus sur elle. Et puis, lui demander où elle chante aussi. Puis, si en attendant, vous voulez nous appeler pour le savoir, on serait content de vous laisser savoir. Il y avait aussi l'adresse électronique qui est fsaintlo, je pense qu'on appelle ça @odyssey.net, si vous voulez correspondre avec nous. Et la semaine prochaine et les autres semaines qui sont là devant nous, nous allons avoir comme invité Jenny Rock. Elle va être là pendant 3 semaines. Nous allons l'interviewer dès la première émission. D'ici là, à bientôt. Thank you.